son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Je reprive à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais, c'est là le bonheur. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. On pourrait terminer avec ce chant qui dit « Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Vous savez, quand moi j'ai eu la grâce de grandir dans la maison du papa Jean. On a vu des choses. Je pense que peu d'enfants ont vu ce que nous avons vu. Mais je me souviendrai toujours d'un homme qui l'a menacé. Alors quand il dit qu'il a été menacé, c'est pas une fois. Mais celui-là était vraiment extrêmement agressif. D'ailleurs, il avait même sauté sur un des voisins, lui avait mis un pistolet sur la tempe. Bon, de loin, on voyait pas que c'est un pistolet en plastique. Le voisin, il est mort de trouille. Nous, à l'intérieur, on s'est dit, ça y est, il va lui exploser la tête. Et cet homme qui était violent, mais violent, est venu vers mon... Il nous a fait... Je ne vous explique pas tout ce qu'il nous a fait. Mais est venu vers mon père, je me souviendrai toujours, il lui dira que le bon Dieu me fasse pousser des cornes pour que je n'entre plus et ne sorte plus une porte si vous vivez encore dans une semaine. Et je savais que cet homme était capable du pire. Eh bien écoutez, peu de temps après, il était arrêté, mis en prison pour 20 années, et il est mort en prison, il n'est plus jamais sorti une porte ni rentré une porte. Ce qu'il avait demandé, il l'a reçu, mais avant de mourir en prison, il a écrit à mon père, en lui demandant pardon pour les menaces qu'il avait proférées, et il s'était repenti. J'ose croire que Dieu l'a encore sauvé au dernier instant. Mais c'était fini. Vous savez, Dieu nous garde au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Et lorsqu'il vous dit parler en langue, je vous assure, il sait de quoi il parle. Et je sais de quoi je parle et je vous invite vraiment à le faire. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le fa. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende de la flamme, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte. Fasse de nous de vrais apôtres, par le feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous pouvons refléter ta gloire, par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, tu nous affranchis de nous-mêmes et nous remplis d'amour suprême. Par le feu, par le feu, par le feu, nous voulons porter l'espérance. Par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance. Par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père. La réponse à notre prière, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père. La réponse à notre prière,
c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Seigneur, c'est notre prière. Remplis-nous du feu de l'Esprit. Seigneur, que ces langues de feu qui descendirent sur eux à la Pentecôte viennent également sur nous. Et qu'en même temps, eh bien, oui, nous parlions en de nouvelles langues, ces langues d'en haut. Mais en même temps, Seigneur, lorsque le feu vient sur nos langues, eh bien, il purifie également notre langage. Alors donne-nous également une nouvelle manière de parler. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils parlent, elles parlent. Parlent en langue et parlent, Seigneur, avec la foi. Parle avec la foi. Parle avec l'espérance. Parle en sachant que tu es toujours leur secours dans toutes les circonstances, même celles qui semblent désespérées comme le peuple d'Israël devant la mer des roseaux qui, d'un côté, acculé par les Égyptiens et de l'autre côté, arrêté par la mer, était condamné à mourir. Seigneur, donne-nous de croire que même dans ces moments-là, tu es capable d'ouvrir un chemin là où nous ne voyons pas de chemin, à tracer une voie là où nous ne voyons pas de voie, à ouvrir une porte là où nous ne voyons pas de porte, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Que ton nom soit béni, que ta grâce soit sur nous, et fort de ce que nous avons entendu, nous retournons chez nous et nous nous réjouissons pour le don merveilleux de l'Esprit que tu nous as donné. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne rentrée.